Hello ma famille, bonne fête de nouvel an à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bijoux Mode de Vie. Je suis Bijoux. Sur ma chaîne, je partage des vidéos motivation, ménage, cuisine, recettes, décoration, organisation, pâtisserie et autres choses de la vie quotidienne. Aujourd'hui, je suis venue avec une nouvelle vidéo. Trois idées, recettes simples, rapides à réaliser pour nouvel an. Je commence d'abord à allumer les bougies pour avoir une bonne odeur dans ma cuisine. Après, on va directement commencer les recettes du jour. Maintenant, on commence avec notre première recette de salade. Pour réaliser cette recette, on a besoin des ingrédients comme macaroni, le poivre vert, poivron rouge, la tomate fraîche, le grain de maïs, les petits pois, l'oignon violet, jambon moutarde, carottes coupées en petites tranches, mayonnaise, les œufs, jus de citron, poivron noir, cornichon caché cuit. Je vais faire cuire les macaronis jusqu'à ce que ça va devenir tendre. Après, on va couper les légumes pour les salades. Voilà. Et là, je commence à couper toutes mes légumes. Après avoir coupé toutes mes légumes, on va mettre ça dans un bol saladier pour mélanger. Voilà. Ensuite, on va bien mélanger. Voilà. Waouh, c'est très beau, c'est super. Ensuite, on va faire les secondes recettes des crevettes avec les tranches de jambon. Je vais bien laver les crevettes avec de l'eau froide.
On va aspirer l'eau à l'aide d'un papier. Après, on va mettre le jus de citron. Je vais assaisonner les crevettes. Je vais mettre un peu de l'ail en poudre mélangé avec beurre et rajouter un peu de zatarin saisonnement en poudre pour crevettes. Ensuite, je vais mettre un peu de sel. Et je vais bien le mélanger, voilà. Et puis, on va faire sortir les jambons dans l'emballage. On va couper ça en deux parties. Ensuite, on va rouler chaque crevette avec une tranche de jambon. Voilà. Je vous dis franchement, cette recette est facile à réaliser. Moi, je l'ai pris dans ma livre de recettes Go West USA. Quand j'ai essayé de le faire chez moi à la fête de Nouvel An, tout le monde a devenu fan de ça. C'était vraiment super, très bon à manger. Voilà. Je vais utiliser l'air fryer machine pour griller. J'aime vraiment cette machine. Ça m'aide à faire la cuisine rapide. Même quand j'ai grillé la viande, ça donne le goût. C'est comme si je l'ai grillé au charbon. C'est vraiment super cette machine Go West USA. On va mettre la température à 350 degrés en appuyant les dessins des crevettes et la durée de cuisson 15 minutes. Voilà. Voilà, il est déjà 15 minutes. On va tourner ça. Après, on va encore remettre ça pendant 15 minutes. Voilà, c'est déjà cuit. C'est super à déguster. Yummy, yummy. Enfin, on va faire la troisième recette, des petits saucisses fumées roulées avec graissant wipes d'eau. Je vais couper les dos à la forme triangulaire.
Quand je termine à couper la pâte d'œuf, on va rouler chaque petite saucisse avec une tranche de pâte d'œuf. Ensuite, on va appliquer un peu de l'huile sur un seul côté de pâte d'œuf à l'aide d'un pinceau. On va d'abord mettre le papier parchemin dans le panier de l'air fryer. Et puis, on va cuisiner les saucisses. La température de cuisson, 370 degrés. Durée de cuisson, 8 à 10 minutes. Voilà. Voilà, c'est déjà cuit. C'est délicieux. Je fais sortir ça à l'aide de cure-dent. Voilà. Ensuite, on va décorer les plats de saucisses en mettant le persil avec un petit bol de ketchup au milieu. Voilà. J'espère que cette contenu ça vous a plu. Si cela est le cas, n'hésitez pas à s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rien manquer quand je vais publier d'autres vidéos. Aimez, commentez, ça me fera énormément du bien. Quant à moi, à nous revoir à la prochaine vidéo. Bye bye!